Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire que quand vous vous abonnez, vous pouvez presser sur la petite cloche et m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Comme ça, quand c'est que je poste une nouvelle vidéo, vous recevez un message et vous risquez pas d'être désabonné. Voilà, c'était tout. Je vous souhaite une bonne vidéo. Salut à tous, c'est Cocorance Gaming, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de 6 bugs ou glitch sur Clash Royale. Alors on commence tout de suite avec le premier bug. Alors ce premier bug, c'est un bug de faire passer une troupe par-dessus la rivière et qu'après elle refasse le tour et repasse sur le pont. Alors là je l'ai fait avec un PK et je vous l'ai juste mis une fois parce que je pense que vous avez déjà vu. Je vous laisse avec le gameplay, on se retrouve tout de suite pour le deuxième bug. Alors le deuxième bug, ça constitue à recouvrir toute la surface de bâtiment. Comme ça, il n'y a plus de place et du coup, on va voir où c'est que... Si on met encore un bâtiment, où c'est qu'il va. Donc là, j'ai mis un extracteur et puis il va tout en bas dans le coin à droite. Donc avant, quand c'est qu'on le faisait, quand on mettait une tour de l'enfer, ça la mettait tout en haut à gauche et puis ça pouvait détruire la tour. Mais maintenant j'ai essayé, ça marche plus. On se retrouve tout de suite pour le troisième bug. Le troisième bug, il est assez récent. Donc c'est un bug, ça consiste à faire tirer le zappi depuis le pont. Donc il est assez récent parce qu'il faut le faire avec la tornade. Et ça fait pas très longtemps qu'elle est sortie la tornade. Là je vous ai mis plusieurs exemples. Pour le faire, il faut mettre une petite troupe que le zappi il tire dessus, comme ça il recharge. Et quand il a le focus sur la tour, on met la tornade pour le retirer en arrière. Donc celui-là faut le faire à deux parce que sinon je pense pas que vous allez le faire en... Il y a quelqu'un qui va vous le faire en partie normale. Alors vous voyez, il tire depuis le pont. Il y en a encore un. Je vous le laisse. On se retrouve pour le quatrième bug. Donc on se retrouve pour le quatrième bug. Alors ce bug, ça consiste à repousser le mineur avec la bûche quand il est sous terre. Alors je pense que vous avez sûrement vu sur la chaîne de Corentin 92. Mais moi, ce bug, je l'avais déjà vu avant et j'avais l'intention de le mettre dans la vidéo. Et ben, il y a Corentin 92 qui a sorti la vidéo et je l'ai vu et je me suis dit, il y a tout le monde qui va dire plagiat. Alors ce petit bug, comme j'ai vu qu'on l'avait déjà trouvé et puis qu'on pouvait faire ça, je me suis dit que je pouvais aussi prendre quelque chose que Corentin 92 avait fait. Et c'est le cinquième bug. Enfin, c'est plutôt un glitch. On se retrouve tout de suite. Alors ce glitch dont je vous parlais, qu'a fait Corentin 92, ça consiste à faire tourner le géant tout autour de la rivière. Donc là, je vous fais un zoom. Et celui-là, il est facile à faire. Il faut juste mettre des bâtiments autour et faire tourner le géant. Il faut juste faire attention qu'il ne parte pas sur la tour centrale. Mais sinon, c'est assez facile. Donc là, j'ai mis 4 géants. Donc je vous laisse regarder. On a fait ça en une seule partie parce que c'est assez facile. Là on voit qu'il y a un géant qui part, justement des fois ils peuvent tous partir comme ça, puis ça fait tout foirer. On se retrouve tout de suite pour le sixième bug. Alors ce sixième bug, je remercie vraiment Flavien qui m'a aidé à le faire. Enfin, il l'a fait sur deux comptes qu'il avait à disposition. Et moi, j'ai essayé de le faire. Mais chaque fois que j'essayais,
je le faisais avec quelqu'un de mon clan parce qu'il voulait passer dans une vidéo. Mais en fait, je lui disais ce qu'il fallait faire, mais il m'écoutait pas. Il faisait un peu n'importe quoi à la fin. Donc finalement, Flavien, il a été d'accord de me le faire avec ses deux comptes. C'est plus facile. Bon, le deuxième, c'est pas le sien, c'est celui d'un copain, mais c'est pas grave. Et je vous laisse savourer. Voilà, on se retrouve pour la conclusion. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Mais avant de finir la vidéo, je voulais faire une petite dédicace à tous ceux qui m'ont aidé à faire ces bugs. Alors les deux premiers, dédicace à Pata, et il a aussi une chaîne YouTube, le lien sera dans la description. Et allez vous abonner un max à sa chaîne, parce qu'il serait d'accord de me prêter son compte Fraps, et ça donnerait une meilleure qualité. Après, dédicace à Tom1880. Donc il est dans mon clan, lui je le connais pas personnellement. Après, dédicace à Simon qui m'a aidé à faire le bug où c'est que les géants tournent autour de la rivière. Enfin le glitch plutôt. Et enfin dédicace à Flavien qui a aussi aidé à faire un bug et qui a gentiment accepté de me faire un 3 couronnes à 3 couronnes avec deux comptes qu'il avait à disposition. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Suis-moi sur Twitter et Facebook. Les liens sont dans la description. C'était CocoMonsGaming. Ciao.